Ah, j'ai la confiance avec l'équipe. Après, c'est une bonne équipe qu'il est l'adversaire aujourd'hui, qu'il a fait la démonstration pour toute la saison. Et aujourd'hui, si, maintenant, il a fait un bon match. Après, je crois que le résultat, c'est juste. La décision de nous, c'est après de t'y faire les buts, que c'est dur. Pour marquer pour toutes les matchs. Et quand tu fais, tu marques, tu vois après la victoire, que c'est important, et après la déception fine pour les buts les dernières minutes. Mais si tu analyses froid les matchs, c'est juste. Et quelque chose de les matchs. Premier, qu'il a fait la pression contre nous plus haut. Et n'est pas facile pour nous surmonter cette pression. Et pour ça que la maîtrise des matchs n'est pas claire pour nous. La maîtrise des matchs. Nous voulons plus de possession de ballon, plus de maîtrise avec les ballons, mais n'est pas facile pour la pression de eux. Après, quand nous avons surmonté la pression, les lignes de 4D offensives de lui, de la pression. Nous avons fait bonne attaque contre eux, mais quelques moments, un peu de plus de sensibilité pour la dernière passe, pour la dernière action, pour faire plus d'options pour marquer. Et quand nous n'avons pas avec les ballons, la pression de nous contre eux n'est pas comme autre match. N'est pas fait bien, tout est bien comme nous voulons la pression. Et il a fait avec des latérales plus larges et profondeur pour l'extérieur. Et il a fait beaucoup d'actions pour l'extérieur avec les centres, avec des attaquants. Mais nous avons fait bien le travail défensif de les centres latérales de eux et les corners qu'il a fait. C'est pour ça que la maîtrise des matchs n'est pas comme nous voulons. Je vais ici à la maison, fais plus le contrôle des matchs avec les maîtrises des matchs avec le ballon. C'est les maîtrises des positionnements à l'intérieur. Et après, je vais plus d'actions d'attaque contre eux et plus de corners que eux. Mais comme il est une bonne équipe, il a travaillé bien, je crois que les matchs nuls, c'est juste. Oui, c'est musculaire. Je ne sais pas, demain c'est l'analyse qu'il va faire le docteur, mais normalement c'est une blessure musculaire. Quelques jours ou semaines, sûr qu'il est blessé, sûr. Oui, la capacité et la qualité de Drax, des matchs qu'il a joué, il a démontré qu'il est capable pour jouer, pour commencer les matchs. Après, il n'y a pas une différenciation avec un joueur ou autre joueur. Je crois que c'est une décision, première, pour la confiance en toute l'équipe. Et après, il a travaillé avec l'équipe, après, dès les mercredis, il a travaillé avec l'équipe tout le temps. Il est bien. Il est bien physiquement pour jouer les matchs. Il n'est pas le meilleur résultat. Mais n'est pas le pire. Et après, je crois que les pics continuent les progressions. Et on va continuer. Pour ça qu'à l'échelle finale, c'est la rivalité à 31 journées. Aujourd'hui, nous sommes à 3 points de Monaco, à 3 points de Nice. C'est un match. Sûr qu'ils sont aujourd'hui avant de nous. Mais j'ai la confiance pour l'équipe parce que je pense que la progression, c'est clair. Et on va continuer pour cette progression. Avec maintenir une régularité et maintenir une crédibilité de l'équipe pour améliorer pour la championnat, parce que c'est clair que notre objectif c'est gagner la championnat. Et c'est clair aujourd'hui que c'est difficile. Et aujourd'hui nous avons un regard que l'autre équipe, Monaco, il est bien. Mais nous sommes pareils. Nous sommes pareils à 3 points, c'est un match. Aujourd'hui c'est une bonne opportunité. C'est une bonne opportunité que nous avons perdu, une bonne opportunité. Mais les 38 journées, on va donner à nous et à tous beaucoup d'opportunités. Et on va travailler pour préparer bien les prochaines opportunités pour faire la différence, moi, et pour faire les points que nous avons besoin de pour surmonter à l'aide.